Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Final Fantasy. Donc on vient de customiser notre voiture pour ceux qui ont un peu zappé l'épisode vu que c'était que du... C'était un épisode full farm. Donc on a customisé un petit peu notre voiture en blanche et en rouge. Elle est juste magnifique. Et là on repart finir notre quête chantage cordial. Rappelez-vous, on devait faire un petit truc pour notre cher ami le blond, notre cher ami Dino. Pour donc avoir une chance de monter à bord d'un ferry ou d'un bateau pour faire la traversée. Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi, entre-temps, j'ai mon nez qui a commencé à avoir une petite allergie à je sais pas quoi. Donc, si vous m'entendez un petit peu parler avec le nez, c'est un peu normal. En fait, on va pas courir. En fait, j'ai l'impression qu'en sprint, on perd plus de temps à la fin du sprint qu'en marchant normal. Merci, merci. Après, je pense à un épisode où je vais faire un peu de refaire de la chasse et de la pêche. Parce qu'il faut savoir qu'il faut aussi que notre Noctis apprenne à pêcher régulièrement. Pour pouvoir pêcher des poissons un peu plus rares et faire de la bonne bouffe. Bah ouais, moi je suis là. Allez, c'est parti. Allez, on va attendre notre petit bateau. Un peu de repos, on vient de sortir de Hammerhead, on s'est reposé et tout. Ouais, ils se sont reposés, ils en ont passé 0 jours. Bon, quand même, on a eu pas mal d'XP, c'est pas mal ça. Notre nouvelle voiture. Je l'enregistrerai quand même, elle est belle. Suite.何だよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。
帝国軍は王都城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そして王都は。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だと、いいのに。他に情報は、自分たちで見てくるしかねってことか。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。場所に出るだろう。Ok, donc excusez-moi, je me coupe ma parole, je vous laisse apprécier un peu les cinématiques, quelque chose comme ça, donc je couperai ma voix à chaque fois pour vous apprécier le plus personnellement. Allez hop. On va se combattre contre des humanoïdes, c'est la première fois. Enfin, humanoïdes. C'est un peu plus des soldats. Donc, comme je vous ai dit, la petite cinématique que vous avez eue avec le roi qui se fait tuer. Comme je vous ai dit, ça apparaît dans le film que je vous ai conseillé, Kingslave. Donc, voilà. N'hésitez pas à le regarder pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé pendant qu'on était en train de farm.
Allez hop, c'est parti. Ok, on va faire les fusiliers, en fait ils nous empêchent de farm. Allez, un petit marquage. Ça va aller plus vite. Ok. Ah, j'ai plus de PM. Donc hop, on reste accompli. Ça nous permet de récupérer pas mal de PV. Et de PM. Ok, donc là ça devient vraiment intéressant, il y a de l'action et ça devient un peu plus linéaire, mais au bon profit d'améliorer l'histoire en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Ok. Là, j'ai pas pu. Oh. Ok. Allez. Putain. Ça va être dur. Allez, fais-moi un petit marquage là pour que je puisse faire quelque chose, mon petit Inis. Ok, on va se concentrer sur eux. Allez hop, la mana mule. Plus pratique sur eux. Nickel. Les gars indiquent qu'une arme peut être améliorée. Ah, sympa, je savais pas ça. Ça, ils le disent pas. Ils te disent qu'après. Donc elle peut être améliorée. Et comment l'améliorer, monsieur? Donc ça nous donne 200 PV, 30 en force. Donc nous on a ça, ok. Mais du coup Claudius il va être content là. Il a une version en titane. Un peu meilleure. Bracelet de grenade il donne combien? Il donne 30 en patate. Mais Noctis franchement on avait remarqué et moi je pense qu'on est tous d'accord pour lui mettre l'armure de fer parce que franchement il a du mal. Inis qui a toujours la chevalière. Ah il peut prendre une lance drainante. Mais est-ce que nous on peut l'utiliser cette lance drainante? À demain, la lance drainante. Toc, 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 toc. Donc, la lance drainante, elle est pas mal. Inis qui utilise des dagues. On va éviter de lui mettre n'importe quoi. On va mettre un petit javelot. Prompto. Lui, il peut mettre que des machines et des sorts. Ok. Et Glodius, c'est quoi? Bouclier. Faudrait que je lui mette un petit bouclier. Ok, c'est parti, on avance. On arrive enfin sur la colline.消すな。ごめん。いらねえよ。もしもし。コールか。無事でいるようだな。どうなってんだ。今どこに？
外だよ。そっちに戻れない。ああ、ってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。ああ、将軍か。なんと、ハンマーヘッドに行くって。陛下は。警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい装備だ。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ。いらっしゃい。天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。
俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。OK, bon, on va retenir les informations au repos du... au repos du... au tombeau, quoi, comme ils disent. Attendez, je me relève du coup. Je me suis un petit peu engouffré dans mon canapé comme un gros papier. Conducteur malchanceux, c'est vrai qu'on lui a pas remis son truc, mais c'est sur le chemin en fait, donc moi personnellement je voudrais bien lui déposer son petit truc. Et après on ira voir directement corps. Alors, je vous propose ça, hein. Je sais que c'est pas dans le mode histoire, je vous ai promis que j'allais faire que du mode histoire pour cet épisode. Même c'est le but. Mais bon, on va quand même rapporter ce kit de réparation au pauvre mec qui est coincé là-bas, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de cette voiture, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture si vous voulez que je rechange encore de couleur. Mais je la trouve... Ah voilà, plus de pluie, on sera décapotable. Donc ouais, ouais. Donc ouais, je me rappelle. Donc là, on est vraiment après Kingsglaive, donc le film. On est à la fin de Kingsglaive, donc du coup là, on reprend un peu ce qui se passe juste après. On a vu Luna Freya qui sortait donc de la ville, qui est donc pas morte. Ça nous rassure. On fait pas ça pour rien. Hop. On va lui donner son kit de réparation à lui. Il va nous donner quelques petites. Ouh là 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 là. Putain, chauffard le mec. 感謝するよ。これで安心だ。解決できたな。Voilà, une bonne chose de fait, ça c'est sûr. Allez, 300 d'XP, c'est pas négligeable. Il va pouvoir réparer sa petite voiture. Une autre 500 gil, ça a remboursé le kit de réparation plus 400 gil, donc nickel. Et là, on repart dans la régalia en conduite automatique et tu vas nous amener à le souhait d'un PR. C'est parti. On est à 2 km, allez, c'est assez rapide. On met le petit thème d'Aeris de Final Fantasy VII. Je kiffe cette musique. J'espère que j'aurai pas de problème de copyright, mais franchement, elle est magnifique cette musique. Elle est très très belle. Mais il y en a d'autres. Ouais, vraiment les musiques de base, quoi. Le Gold Sozer, ouais, je me rappelle. Par contre, j'espère que l'ennemi va pas nous faire. Ah oui, il y avait des ennemis. Ah ouais, maintenant il y a les petits véhicules des méchants là. Non, on va continuer. Attends, faut que je parle à corps. Mais on a fait une pause il y a quelques temps, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, roule ma poule. On doit arriver rapidement là-bas. Donc il nous attend au repos des chasseurs. Et je crois qu'il y a le tombeau royal qui est là-bas, donc c'est nickel. Ah les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. On est à... Allez, on est à 1 km les gars, vous pouvez le faire. Sinon je prends le volant. Moi je veux savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va nous dire corps, comment va se passer le suite de l'aventure, ça m'intéresse. Donc,
que je veux pas perdre mon temps avec des broutilles. Ouais, on aurait pu passer par l'autre chemin, ce serait plus vite, mais... Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Ah, il peut pas conduire, je crois. Nocto, yoru no drive wa kiken da. Ichido machi ni modoranai ka. Yahari kiken da. Doushitemo to yuu nara tomenai ga. Yoku kangaete kure. Bon, allez, Inis, on est à côté. Ouais, mais je sais qu'on va... On peut rencontrer d'effroyables démons, mais... Je vais la conduire, t'inquiète pas, ta voiture, voilà, c'est parti. On va mettre un peu de musique de Final Fantasy XIII, j'aime bien. Ah, autant en profiter. C'est bien, il y a quand même pas mal de soundtrack. Hein. Là, enfin, il y a beaucoup de musique d'anciens FF, c'est pas mal. On est bientôt arrivé dans tous les cas. On va devoir tourner à gauche normalement. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Yep. Allez, c'est parti, on se gare. Nickel. Allons. Allons voir corps, vous pouvez choisir d'afficher ou non, c'est message dans la semaine. Ok. Bon bah c'est parfait. Noctis-sama, vous êtes Monica, Putain, ils sont... Ils font des... C'est vraiment pour eux, c'est un drame national, quoi. Voir ce qu'il y a comme arme. Vous avez vraiment rien du tout, les vengeresses. L'enchantement de ces dingues, nous tranchons même à la propriété de la pasté. Même lorsque ces PV sont bas. Sympa. La cossite. Émeut de la glace et inflige des dégâts importants contre des mêmes mobs cet élément. Waouh, ça c'est intéressant ça. Je vais même en prendre une deuxième pour moi. Les dingues je vais les prendre pour Inis. Et la Belligrande, cette arme a été forgée, ouais, c'est parfait pour notre costaud du groupe. Pot pourri, ça permet... Un bracelet en bronze, il augmente un peu les PV maximum. Il augmente un peu la résistance. Pas mal. Mais bon, on en a pas besoin, on est tous bien équipés au niveau de ça. Là, on va les rééquiper d'une arme. Donc, Claudius, on va lui passer du coup la Belligrande directement. Voilà. Donc, Claudius qui a toujours pas de bouclier. Prompto, on va lui mettre un petit cossite. Noctis, on va lui mettre le cossite aussi. Juste là, voilà, voilà. Pour ça, c'est cool. Du coup, on peut vendre ce qui nous reste. L'épée à deux mains, on peut la vendre. Le javelot aussi. Ah oui, pistolet. Le cossite. Ok, la vengeresse, la Belligrande en garde. Ça, c'est dommage qu'il...
Ouais, c'est un peu con. C'est un peu con ce système. C'est la boutique qui doit enlever les objets qu'on utilise. Tout simplement, et ils le font pas. Ok. Bon, on va au tombeau. Il commence à faire nuit. J'ai pas trop envie de rencontrer le monstre sur le chemin, dans tous les cas. Mais on va quand même y aller assez rapidement. Activer notre petit. Notre petite lampe. Allez, c'est parti. Sur la carte, c'est où? Ouais, je peux prendre la voiture. Je peux prendre la voiture, c'est vrai. C'est pas faux. La caisse est juste là, donc autant la prendre. Parce que marcher, c'est chiant. Allez, hop, c'est parti. Dans notre petite décapotable blanche. J'aime bien l'intérieur en plus. Allez, magnifique. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas du tout. Ah, c'est chiant ça. Alors, on se gare. Dommage. Bon, on vient de perdre 2-3 minutes de notre temps pour ça. C'est pitoyable. Ok. Fermeture temporaire. Toujours pas prendre de chocobo. Je veux des chocobos. C'est dommage. Ok. On va avancer. オートでてハンマーヘッド。王家の墓で休んでいる印象はないな。武将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事によかったよね、将軍。あ、こんつよいって本当なんだな。え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな、王子。あの腕は相当なもんだぜ。墓に何の用があるんだろうな。 Moi je dirais pas ça. Moi franchement, corps immortel, faut savoir qu'au Japon, quand tu ressors d'un événement tragique, il y a eu aussi un. En fait, t'as la honte du pays parce que normalement, t'as la volonté du samouraï, vous savez. C'est dommage, ils l'ont pas retranscrit dans ce jeu pour eux. C'est devenu un combattant qui étoffe encore sa légende. Bah, bref, c'est vrai que si c'est défendu qu'il a tué tout le monde. 将軍は中か Allez, rentrons dans ce tombeau. Shogun. ようやく来たな、王子。 で? 俺は何すればいいって? 亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。 これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。 王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺は騙されたじゃねえか。 あの日は 王としてではなく 父親として 息子を送り出したかったそうだ。 お前になら 新王になら この国を 民を託せると信じたからだ。 勝手なこと言いやがって。
これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは？キカトリーク残壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。Ok, donc notre but ce sera de retrouver donc les autres pouvoirs de roi. Et du coup bah de monter nos pouvoirs. On est à la quête du pouvoir, c'est pour ça que je comprenais pas le chapitre 2 à la recherche du pouvoir. Bah en fait on comprend maintenant à quoi fait référence ce nom de chapitre. Moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve rapidement pour le prochain épisode. Allez, à tout de suite. Ou à bientôt.